Salut à tous. Les stades du continent africain ont vibré au rythme des rencontres comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 du 5 au 7 septembre 2021. Seul le match Guinée-Maroc n'a pas eu lieu à la date indiquée suite aux événements de coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons jugé nécessaire de faire le point sur le classement dans les 10 groupes après cette deuxième journée. Pour le moment, 4 pays ont pris 6 points sur 6 possibles, à savoir le Sénégal, la Libye, la Tunisie, le Nigeria. Le groupe A est dominé par l'Algérie, 4 points. Deuxième Burkina Faso, 4 points. Troisième Niger, 3 points. Quatrième Djibouti, 0 points. La Tunisie occupe la tête du groupe B avec 6 points. Deuxième la Zambie, 3 points. Troisième la Guinée équatoriale, 3 points également. La Mauritanie ferme la marche avec 0 points. Dans le groupe C, on retrouve le Nigeria comme leader, 6 points. Suivi par le Libéria avec 3 points. La République centrafricaine est 3e avec 1 point. Et le Cap-Vert ferme la marche avec 1 point. Le groupe D est dominé par la Côte d'Ivoire avec 4 points. Deuxième le Cameroun, 3 points. Troisième le Malawi, 3 points. Quatrième le Mozambique, 1 point. Dans le groupe E, les Aigles du Mali occupent la tête du classement avec 4 points. Deuxième l'Ouganda, 2 points. Troisième Kenya, 2 points également. Quatrième le Rwanda, 1 point. Dans le groupe F, la Libye est leader avec 6 points. Deuxième Égypte, 4 points. Troisième Gabon, 1 point. Quatrième Angola, 0 point. Dans le groupe G, l'Afrique du Sud est première avec 4 points. Deuxième le Ghana, 3 points. Troisième l'Éthiopie, 3 points. Quatrième le Zimbabwe, 1 point. Le groupe H est mené par le Sénégal, 6 points. Deuxième la Namibie, 4 points. Troisième le Congo-Brazzaville, 1 point. Quatrième le Togo, 0 point. Dans le groupe I, la Guinée-Bissau est pour l'instant en tête avec 4 points. Deuxième le Maroc, 3 points, 1 match en retard. Troisième la Guinée, 1 point, 1 match en retard. Quatrième le Soudan, 0 point. Et enfin dans le groupe J, la Tanzanie est leader avec 4 points. Deuxième le Bénin, 4 points. Troisième la RDC, 2 points. Quatrième le Madagascar, 0 point. Pour l'instant, voici la situation dans les 10 groupes. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la notification pour bénéficier de nos prochaines publications. Merci.